Bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 15 ans, j'étudie à Malaika en 4e année scientifique. C'est ma 10e année d'être à Malaika, donc je suis parmi les filles de la première promotion. Bonjour, je m'appelle Marceline, je suis élève de Malaika. J'ai commencé en première année primaire avec 7 ans et maintenant je suis en 4e année pédagogie. J'ai maintenant 16 ans. Le matin, je me réveille à 5h50. J'aide mes parents à torchonner, à puiser l'eau, puis à nettoyer les assiettes et je me prépare pour venir à l'école. Malaika m'a donné une éducation gratuite. Elle a foré aussi des puits dans notre quartier. Auparavant, j'épuisais de l'eau à 1 km de notre quartier. Maintenant, j'épuise tout près. J'arrivais aussi en retard et maintenant, j'arrive tôt à l'école. À Malaika, j'ai eu une bonne éducation. Je ne savais pas parler français, anglais ni écrire. Maintenant, je sais parler un peu l'anglais, je sais parler français et écrire. La différence qu'il y a chez nous et à l'école, je suis toujours en mouvement, je ris avec mes amis. Je fais des différentes activités, mais quand je suis à la maison, je suis sur une même place, je m'ennuie. Nous apprenons aussi l'informatique à l'école, donc comment saisir sur un ordinateur, les parties de l'ordinateur, comment gérer les réseaux Internet. À la sortie, on étudie en groupe avec mes amis pour partager nos connaissances. Et quand j'arrive à la maison, j'aide ma petite sœur à réaliser ses devoirs. Je ne pensais même pas que les filles auraient aussi le droit d'étudier. Mais grâce à Malaika, j'ai eu l'opportunité d'étudier, j'ai eu l'opportunité de voyager aussi. Après mes études, j'aimerais renforcer le leadership féminin. J'aimerais donner aussi une éducation meilleure aux jeunes filles comme moi, comme Noëlla Koussaris m'a aussi aidée. Vous me dérangez. You.